Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre Jean-Claude et moi-même pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. Dans les gants et il déclenche, superbe contre. Et l'enchaînement de Frost, c'est superbe. Il revient avec une gauche qui touche. Il bloque, il enchaîne, c'est bien. Enchaînement terrible. Un mec qui place un crochet et puissant. N'oublie pas de te désaxer. Combinaison. Mobile, super puissant de Frost, c'est super, c'est super. Droite qui touche en haut. Oh, c'est précis. Oui, il passe encore un crochet en bas. Il n'est pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. André Bishop, allez, il est debout après avoir été knockdown. Raté, cette tentative, en haut. Bel enchaînement, deux coups à la suite. La garde reste bien en place. Et Frost, pleine face, il a touché. L'enchaînement qui arrive au visage. Frappant sans succès. Belle droite qui arrive, pleine face. Il fait ce qu'il peut pour se défendre, mais bon, il est bien sonné là. Rahim est sonné, incroyable, quel retournement de situation. Pourra-t-il aller jusqu'au bout du round? Il s'est relâché et a baissé sa garde. C'est chacun son tour, si on commet une erreur, on paye cash. Et il se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. Magnifique droite qui touche en haut. Voilà, c'est la fin du round qui se termine sur un net avantage psychologique. Jean-Claude, expliquez-nous ce qui se passe dans la tête d'un boxeur qui vient d'aller à la tête. Forcément, il n'est pas en confiance. Hein. Le boulot de l'entraîneur, c'est de rassurer son poulain et d'insister sur ses points forts. Pour le relancer sur le... Il est sonné et ça sent le chaos. Lève-toi, mon sang! 2, 3, 4, t'es un battant, relève-toi! Et il a fini par se relever après être allé au tapis.
un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation? Vous avez bien connu ça, vous. Eh bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance des coups de son adversaire et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Ouh, énorme crochet à la tête. Il a touché deux fois. Voilà, il s'appuie sur son cab. Voilà, droite de France, elle a trouvé la cible. Il continue sur sa lancée. Le knockdown du dernier round lui a donné confiance. C'est plutôt bon signe, ça, Jean-Claude. Il sait qu'il a pris l'ascendance sur son adversaire et veut tout faire pour le conserver. Mais attention à ne pas en faire trop tout de même. Rien n'est joué pour le moment. Et un, et deux, c'est bon. Tentative de coup, oh, ça manque de précision tout ça. Voilà, dernière minute d'une reprise spectaculaire qui devrait ravir tous les amateurs. Oh, les boxeurs font le show, tout le monde y trouve son compte. Quel régal! Oh, un coup d'une puissance inouïe et qui touche. On doit se protéger, on le dit, on le répète. Les coups, c'est pas de la nourriture. Oh, trois coups. Oui, c'est bien pour l'Argentin. La Monzon qui place un crochet superbe. Allez, debout. Deux, trois, quatre, allez, debout. Voilà, il est debout et il va devoir maintenant se remettre en question pour repartir à l'affrontement. Ah mais il faut déjà qu'il tienne jusqu'à la fin du round, hein, et ne pas commettre une nouvelle fois la même erreur. Belle parade et super contre. Il encaisse, mais il touche à son tour. Et boum, encore une droite. Ça fait trois fois plus mal. Le revoilà sur ses appuis après un passage à terre. Ouais, mais maintenant il faut à tout prix qu'il gagne du temps. Il n'hésite pas à s'accrocher. Les deux qui passent. Oui, bien bloqué. Et encore en blocage. Et un contre de Bishop. Enlève-toi. 6. Il s'est fait surprendre, il s'est relevé et maintenant, il en faut du courage pour continuer après tout ça, Jean-Claude. Ah, c'est maintenant, c'est dans ces conditions qu'on va avoir ses ressources physiques et surtout mentales. Oh, il est touché, Jean-Claude. Ouais, il faut qu'il se protège, il ne peut pas se permettre d'encaisser comme ça. Belle combinaison. Et la droite de Frost. Allez, encore. Nouvelle droite, bien placée. Ah, il y avait l'idée, mais les coups au foie qui n'arrivent pas. Ouf, quelle frappe en contre. Cherche à faire mal dès les premiers rounds. Il y a Isaac Frost, sonné durement. Il va falloir s'accrocher, il va falloir tenir. Il va falloir gagner du temps. Oui, plusieurs fois en haut. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que faire désormais, Jean-Claude? Tenir, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir encore à corps et gagner du temps.
le round est pour toi, c'est sûr et certain. Son coin a pourtant dû lui dire de placer quelques coups en contre. C'est certain, mais encore faut-il qu'il en soit capable. Et ce ne serait pas le cas d'après vous? Bah, disons que je le sens encore un peu timoré. Mais je pense que ça va venir. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Il est touché. Il touche, oui, avec cette droite. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche. Ouais, travaille en bas avec de nouveaux jabs. Ouais, les deux qui va bien. Oh, il remise avec cette gauche. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Belle passe, la gauche, bon timing. L'arbitre l'avertit pour ses coups de tête répétés. Les avertissements n'y ont rien fait, il est obligé de lui infliger un point de pénalité. Arrêtez de le faire réfléchir. Travaille-le au corps. Au corps. Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. Ouais, pas mal ça. Encore une gauche qui passe. Continue de le travailler. Deux fois là. Superbe, quelle combinaison. Ouf, quel crochet, quel impact. Et bien placé. Du calme, vas-y. Crochet magnifique, hier, rapidité, précision, puissance. Oh, manque de précision là-dessus. Énorme, et ça touche. Et André Bishop, il bloque. Enchaîne. 1, 2. Jab et direct, un grand classique. Et cette accroché. Il est KO, Jean-Claude. Ah ouais, mais quel coup puissant. Voilà, place à présent à la décision officielle. Le verdict est tombé, on en reste là. Merci à Jean-Claude de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous qui nous regardez. Bonne soirée à tous. You fucked up, right? Bye-bye, wish you luck with life. But I'll be damned if I let you manage to bless that blade and keep taking advantage. Look, man, yeah, you shook my hand, but that was back then. We're not good, fam. I'm the fool, cause I started to be cool with them. But I got schooled in the art of opportunism. I ain't the only one that walked away. Look around, everybody gone today. You all alone with your empty. Bienvenue pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe. Ici Christian Delcourt, en compagnie comme toujours de... Monsieur Jean-Claude Béquier. Belle droite pour Jean, bien placée. Le coup qui n'arrive pas. Belle fluidité sur ces deux coups.
Énorme droite encore de Mike Tyson. Oh là là, André Bishop. Il ne va pas bien, il a été sonné. Il faut gagner du temps et tenir. André Bishop, allez, il est debout après avoir été knockdown. Le crochet qui est arrivé, magnifique. Et il touche avec ce coup puissant. Mais il en donne aussi. Quel échange, Jean-Claude, quel échange. Oui, il enchaîne bien. Brasse de l'air là. Son adversaire est en train de baisser de pied, c'est bien, il enchaîne les coups pour le faire plier. Ouais, son travail de sape a fini par payer. En face, on est moins mobile et les coups arrivent plus facilement. Il faut se protéger le visage là. Il revient et touche avec ce crochet au visage. Quel début de combat ce soir, on peut dire que les deux boxeurs sont immédiatement passés aux choses sérieuses. Ouais, c'est assez surprenant. D'habitude, tout est un peu plus long à se décompter. En tout cas, c'est un signe, pas de temps à perdre. J'aime bien ce genre de signe. Il a l'air bien décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat, sans prendre de risques inutiles. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Droite comme ça, il y a de quoi être sonné. Accroche-toi. Allez, accroche-toi. On va enchaîner tout ça. Bien, il a réussi à revenir dans le combat malgré ce knockdown. Et maintenant, que doit-il faire? Oh là là, juste à temps, regardez-le. Il est complètement groggy. Ouais, 10 secondes de plus et il part au tapis, c'est certain. Il doit absolument profiter de la pause pour se refaire une santé. Sinon, le prochain round sera un calvaire. Une combinaison qui arrive au corps. Son adversaire est allé au tapis lors de la reprise précédente. Il sent que c'est le bon moment pour lui assurer le coup de grâce. Peut-être, mais il n'a pas encore gagné. Ne pas pécher par orgueil et prendre le temps de bien préparer ses coups, c'est plus sage. S'il doit y avoir un KO, il y aura un KO. Sinon, ce n'est pas grave, tant qu'il garde sa tactique. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. Jean-Claude, vous avez vu cette gauche? Il est héroïque, il se relève encore, mais il semble durement touché. Raté ce coup. Jolie droite, bien donnée. Tyson qui nous montre qu'il peut aussi faire des dégâts avec son jab. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Oui, il a touché avec les deux. Le jab et le direct du gauche qui suit. Et il continue d'attaquer, mais il frappe, surtout dans le vide. Oui, le pire, c'est que s'il continue comme ça, il va se découper. Oh, il a placé sa droite, attention. Et l'enchaînement qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant, il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée des coups. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Oh, le crochet qui lui déforme le visage. Zone qui place un uppercut explosif.
Et Raïm, qui est sonné, Jean-Claude? C'est fou ça! Est-ce qu'il va pouvoir finir cette reprise? Eh oui, un petit moment de déconcentration, petite ouverture! Et son adversaire ne s'est pas fait prier pour le sanctionner. 2, 3, 4, allez, allez, debout! 5, 6, 7, 8, battant, enlève-toi! 9! Il est en train de construire sa propre légende en ce moment, Jean-Claude. Ah, c'est sûr qu'une résistance pareille, ça force le respect. Mais il va devoir utiliser son intelligence de jeu pour inverser la tendance. S'il a encore un peu de sens, évidemment. Super combinaison. De Bishop, ça fait mal. Il n'atteigne pas l'adversaire. Il se fait toucher, mais il touche à son tour. Iron Mike fait parler la poudre avec cette gauche. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Le voilà qui touche encore. Touché, et le voilà qui remise. Le coup au visage n'arrive pas. Il touche avec sa droite, par-dessus. Encore une belle touche, il fait déjà mouche avec des coups d'une violence inouïe, Jean-Claude. Ah ouais, c'est un cogneur, un vrai dur. Il empêche son adversaire d'entrer dans le combat et l'agresse avec la férocité qui le caractérise. Il a touché deux fois. Tyson qui place une droite très lourde. Oui, l'arbitre décide de lui donner un avertissement pour tous ses coups de tête. Trois coups avec une précision d'orfèvre. Un direct du droit qui brasse de l'air. Il envoie une rafale de coups au corps. Et un, et deux, c'est bon. Quelle précision avec ces deux jabs au visage. Simple et efficace, le 1-2. Il place une belle droite là. Amis amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement.
turn tired, cause I'm the definition and tragedy turned triumph. His David ain't a liar, I made it to the eye of the storm, feeling torn like they feminine. Direct du droit, bien ajusté. Les deux qui passent, ils perdent la tête, mais c'est raté. Oui, il place une nouvelle gauche. Mais vers que de puissant de Bishop, c'est superbe ça. Direct du droit, qui part fort. Et Mike Tyson qui se relève, il est de nouveau prêt au combat. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Il prépare quelques cheveux. Oui, les deux coups. On a entendu claquer d'ici. Super crochet. Allez, il pleuve à présent. L'intention y était, mais pas la précision. Il a préparé son direct avec le jab. Il touche deux fois là. Oui, bien bloqué de Bishop. Coup de canon de Tyson, quel crochet. Uppercut qui rate la cible. Allez, c'est pas mal. Au visage avec ce bon crochet. Enchaînement, il touche en bas. Se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. Jolie droite plongeante, bien ajustée. Sa défense haute gêne son adversaire qui vise la tête. Le 1-2, c'est bien. Et super ce contre de Bishop. C'est la fin de la reprise et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'engagement des deux côtés. Oui, on sent bien qu'ils ont tous les deux envie d'en finir vite. J'aime bien cette attitude. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Ça passe à côté. Il l'a touché au corps. Il enchaîne, vite. Il est déchaîné, trois coups à la suite. Très bonne défense sur ce coup qui aurait pu faire mal. Et il a fini par se relever après être allé au tapis. Un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation. Vous avez bien connu ça, vous. Eh bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance de tout son adversaire. Et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Il l'a surpris. Quatre coups sont tombés. Il enchaîne les coups au visage. Sa garde, elle est trop basse. Il en a fait les frais. Attention, il est touché à la pommette. C'est la droite. À côté. Belle fluidité sur ces deux coups. Il cherche le toit avec ses coups au corps. Le bon vieux 1-2, ça marche toujours. Allez Jean-Claude, encore une minute dans cette reprise et on pourra souffler. Il s'en est passé des choses dans ce round. Absolument Christian, et je ne vais pas m'en plaindre. Un combat intense. C'est toujours agréable à suivre. 1, 2. Voilà, il est debout et il va devoir maintenant se remettre en question pour repartir à l'affrontement. Ah mais il faut déjà qu'il tienne jusqu'à la fin du round, hein. Et ne pas commettre une nouvelle fois la même erreur. Une pluie de coups. Boum, le gros uppercut de Bishop. Il est arrivé. Un enchaînement qui fait mal.
Allez, allez, debout. 2, 3, 4, 5, enlève-toi. 6, 7, 8, 9, 10. C'est terminé, il ne se relèvera pas. Ouais, il n'a rien pu faire là. Un coup terrible qui l'envoie au tapis. C'est fini, Jean-Claude, et à suivre la décision. C'était un réel plaisir de vous accompagner ce soir avec Jean-Claude. Bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau combat. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre Jean-Claude et moi-même pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. Il a été touché mais il touche à son tour. Incroyable, Ali sonné, Ali qui a les jambes qui tremblent. Va-t-il pouvoir s'accrocher, continuer ? Oh il est perdu, il est perdu ! Il faut qu'il vienne encore à corps et qu'il s'accroche. C'est pour lui la seule façon de reprendre ses esprits. Allez, Mohamed Ali, il est debout après être allé au sol. Et belle riposte là. Le crochet au visage, il va compter. De Bishop, ça fait mal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Le revoilà sur ses appuis, à présent passage à terre. Ouais, mais maintenant, il faut à tout prix qu'il gagne du temps, qu'il n'hésite pas à s'accrocher. Oui, la gauche, bien placée. Utilise ton jab. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Dès qu'il est trop près, il l'accroche. Énorme crochet. Oh, et ça touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'est fait surprendre, il s'est relevé et maintenant, il en faut du courage pour continuer après tout ça, Jean-Claude. Ah, c'est maintenant, c'est dans ces conditions qu'on va voir ses ressources physiques. Mais surtout mental. Il court en haut. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Boy, accroche-le. Allez, accroche-toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas mal, relève-toi. 10. Jean-Claude, c'est du rapide, c'est de l'expéditif, victoire par KO dans la première reprise. Oui, mais le problème, c'est qu'il est entré trop timidement dans le combat, alors qu'en face, on était beaucoup plus déterminé. Voilà, c'est ça qui a fait la différence d'entrée. Quoi qu'il en soit, confirmation de ce KO avec les juges à attendre.
Bienvenue pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe. Ici Christian Delcourt, en compagnie comme toujours de... Monsieur Jean-Claude Boutier. Une gauche nette et sans bavure. Allez, l'enchaînement de Bischoff. Boum, c'est parti. Un boxeur complet qui affronte un destructeur, il va surtout chercher à éviter l'affrontement direct, Jean-Claude. Oui, c'est certain, hein. Il ne va pas tomber dans le jeu de son adversaire en essayant de lui rendre coup pour coup. Ce serait stupide et risqué. Oui, surtout qu'il dispose d'un panel de coups beaucoup plus complet. Ah, je ne le fais pas dire, Christian. Et il continue. Oh, c'est bien! Oui, encore une belle combinaison. Il est pas mal là, Jean-Claude. Oui, il touche encore là. Son adversaire est en train de craquer. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. La droite qui plonge et qui touche. Oui, il lève bien les mains pour éviter les coups en haut. Il passe une droite, il passe à l'attaque. Les boxeurs n'ont pas l'air de vouloir s'observer et sont passés directement à l'affrontement. Oui, c'est inhabituel, mais celui-ci a moyen de mettre la pression et d'asphyxier son adversaire. Pourvu qu'il ne tombe pas rapidement à court d'oxygène. Oh, soyez tranquille, Christian, avec tous ces coups, il se déplace assez d'air pour pouvoir respirer. Il est touché, il réplique. Oui, il a touché avec les deux. La tentative infructueuse, là, au visage. Ah, quel enchaînement, il vient de lui infliger trois coups, c'est du grand art. Et la droite de Bischoff, énorme, et ça touche. Ouh, alors là, quelle séquence entre les deux hommes. Et voilà la fin d'une reprise très animée, Jean-Claude. Les spectateurs doivent être ravis. Ouais, c'est sûr que ces deux boxeurs ont un style très spectaculaire. Un vrai bonheur. Un crochet qui touche. Superbe, superbe la combinaison là. Oui, un bel enchaînement qui sonne son adversaire. Mais il ne faut pas s'arrêter, il doit en profiter. Très belle séquence de part et d'autre avec cet échange de droite. Oh, la droite de Bischoff, ça fait mal. Claude, quel échange de crochets. Ouh, il a bien fait de la bloquer. Une remise, c'est bien. On arrive à la moitié de ce round. Et c'est parfait, ça, l'uppercut, il n'y passe. Il poursuit le travail au corps. Vous avez vu cet échange, Jean-Claude? Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Allez, les 60 dernières secondes de prise incroyable, quel spectacle! On en a pris plein les yeux dans ce round. Incroyable, bravo monsieur! Belle combinaison, 4 coups d'affilée. Respire! Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Et l'enchaînement qui arrive. On voit bien qu'il aime utiliser son jab là, Jean-Claude. Oui, Christian, c'est une véritable assurance. Même pour un boxeur qui boxe en retrait. Le jab permet de se prémunir d'une attaque surprise. C'est un atout indispensable. Voilà, ce round est terminé. Et il faut bien avouer que nous avons devant nous un boxeur d'une précision remarquable. Ouais, il a fait mouche à tous les coups. C'est impressionnant. Super combinaison. Que de puissant de Bischoff, c'est superbe ça. Oui, ça part vite tout ça. Un uppercut d'une violence inouïe. Allez, quelle combinaison. Ah, ça c'est du grand art et surtout ça a le mérite de faire mal à l'adversaire. Physiquement et mentalement.
Le lâche pas. Allez. Coup pour coup. Il frappe surtout en bas. Accroche-toi. Une droite puissante au visage. Utilise ton jab. Allez. Mais l'enchaînement, deux coups à la suite. Il va falloir qu'il soigne la précision. Un jab suivi d'un direct. Classique, indémodable. Enchaîne. Enchaînement qui fait mouche. Il l'a touché. Une deux qui touche la cible. Ouh, solide ce crochet. Droite bien vissée par-dessus. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude ? Tenir, hein, il doit rester à distance. Mais s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir en corps à corps et gagner du temps. Il réplique, il est là, il est bien là. Attention à ses crochets. Focalise à l'intérieur, la droite est passée. Et là, le percut, surpuissant. Gauche droite, et c'est. Quoi, Jean-Claude, il a des possibilités de contre là. C'est dommage qu'il n'en profite pas. C'est sûr qu'il a des opportunités face à un adversaire qui tente beaucoup de choses, mais souvent de manière désordonnée. À lui de saisir sa chance. À distance, c'est mieux. La remise qui touche. Oh, il cherche à travailler en haut sans succès. Il a touché deux fois. Boum, le gros uppercut de Bishop. Il est arrivé. Raté cette tentative en haut. Il enchaîne avec un beau crochet en haut. Et un, et deux, c'est bon. Et le crochet qui passe. Et voilà un jab de Kobe Nichols qui va compter. Crochet en haut. Il touche avec sa droite. C'est bien ça, il remise intelligemment. Droite, là, sur la remise. Il encaisse, mais il touche à son tour. Il touche encore, en bas. Timing parfait, il cueille son adversaire avec la droite. Dites-moi, Jean-Claude, on dirait que ces deux-là n'ont pas envie de ralentir. Ils semblent inépuisables. Vous savez ce que l'on dit, Christian ? Œil pour œil. Oui, et dent pendant. Et point pour point. Ah, celle-là, je ne la connaissais pas. Bon, le percut, il n'arrive pas. Belle droite au visage, on sent qu'il cherche à plier les coups. C'est la fin de la reprise et c'est l'heure des stats. Comme on pouvait s'y attendre, c'est le boxeur le plus amène au nom des. Oui, l'impact des coups, c'est une chose. L'efficacité en est une autre. En attendant, il travaille bien. Il faut qu'il continue. Une droite en plein visage. Et un, et deux, et trois, magnifique. Bon, dans le vide. Gauche qui touche aussi. Un, une, deux, qui fait mouche. Ah, on cherche à travailler dans la cheminée, d'un côté comme de l'autre. Un crochet qui touche en haut. Oui, ça c'est de la boxe, belle remise. Donc, c'est répond par une bonne gauche. Il a passé cet enchaînement au corps. Il touche la tête sur cette gauche, bien vissée. Et voilà, d'André Bishop, c'est superbe ça. Bon, sans succès. Les deux qui passent.
en donne aussi. L'une, deux, qui reste une valeur sûre. Et André Bishop, il bloque. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Et il titube, là, ça sent la fin. Il était au bord de la rupture, mais désormais, il fait preuve d'un abattage surprenant. Oui, ça y est, il s'est enfin mis en route. Et on va peut-être assister à un tout autre combat. Lève-toi, bon sang. Il a l'air bien décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat, sans prendre de risques inutiles. Droite qui arrive, c'est précis. Tentative de coup, oh, ça manque de précision tout ça. Il enchaîne, et il enchaîne encore, quelle avalanche de coups. Il est déchaîné en ce moment, c'est bien, il faut continuer. Les deux boxeurs et récupérer à belle débauche d'énergie après ce round bien disputé, Jean-Claude. C'est à l'image du combat, Christian. Peu de choses les séparent pour l'instant. L'un a donné plus de coups, mais l'autre s'est montré plus précis. Et il est, selon moi, difficile de les départager sur ce round. La remise, la gauche qui touche. Oui, il touche en haut avec le double jab. Il cherche la tête, mais c'est raté. Il le travaille à distance. Il n'est pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Et un battant, relève-toi. Deux, trois, quatre, sérieux, cinq, allez, relève-toi. Six. Bien, il a réussi à revenir dans le combat malgré ce knockdown. Et maintenant, que doit-il faire? Bah, il doit résister aux assauts de son adversaire jusqu'à la fin du round. Ce sera difficile, mais en évitant le contact et en gagnant du temps, il devrait pouvoir le faire. Il a resserré sa garde là. Juste derrière le jab. C'est bon, c'est du bon ça, du côté du jab de Bishop. Allez, bonhomme, continue. Un crochet gauche bien exécuté, et puis la droite. Encore un coup au visage, paré. Dans le vide, cette uppercut. Voilà, la reprise est terminée et il est allé à terre, mais le combat n'est pas terminé pour autant. Oh que non. Moi, à la place de son entraîneur, j'essaierai de le recadrer. Je lui dirais de ne pas s'emballer et d'être prudent. Oui, il faut surtout qu'il reste dans le combat. Il bouge deux fois, là. Non, il se protège bien le visage. Précision sur ce direct du droit. Bonne garde, le visage est à l'abri. Il en prend plein la tête. Belle fluidité sur ses deux coups. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. De Bishop. Enchaîne bien. Il touche plusieurs fois en haut. Bel échange. La gauche est arrivée. Attention. Oui, il a touché avec les deux.
Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. C'est dans les gants. Et il enchaîne, ça arrive, pleine face. Là, c'est tout, mon gars. Oh là là, André Bishop, il ne va pas bien, il a été sonné. Il faut gagner du temps et tenir. Les 3 minutes sont passées, fin de cette reprise. Cible. Bon blocage et l'enchaînement qui arrive. Une gauche qui passe sans problème. Allez, c'est bien. L'adversaire visé en bas, mais c'est bloqué. Superbe combinaison. Belle défense là. Il passe le direct, juste derrière le jab. Il est sonné et ça sent le chaos. C'est stoppé. André Bishop, allez, il est debout après avoir été knocked down. C'est fini ton match. Allez. Coup au visage, bien parti, mais bien bloqué. Contrôle la distance avec ton chat. Allez, change de coup là, la gauche qui part. Oh, la gauche qui passe. Bien défendu. Bel enchaînement au niveau du buste. Le round est terminé et il revient maintenant dans son coin, la tête haute. Jean-Claude, le rôle de l'entraîneur à ce moment-là, c'est aussi de calmer un peu son poulain. Ouais, vous avez raison d'en parler parce que le combat peut basculer là-dessus. Ok. L'autre est touché, mais c'est pas le moment de s'emballer et de se voir au bout. Il faut garder les pieds sur terre et continuer à appliquer la tactique gagnante. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Le jab, puis le direct du gauche. Il relève sa garde et part ce coup au corps. Il a touché deux fois. Bon, ça passe à côté. Il est bien en place défensivement. Allez, c'est pas mal. Même les coups au corps n'arrivent pas. Super défense. Attention. Et un, et deux, c'est bon. Non, ça ne touche pas.
Le martel de coup au corps a une cadence infernale. Il touche avec le crochet gauche et il retouche avec cette droite. Une remise avec une belle droite. Plus qu'un round et c'est loin. Percut qui part et qui touche. Il encaisse, mais sa droite touche aussi. Ça part en bas, c'est pas mal. Mise en bas avec sa droite. Ouais, il est touché, mais il touche à son tour. Les deux qui passent. Il faut avoir la tête dure pour encaisser tout ça. Dans les règles de l'art, il déstabilise son adversaire. Il est KO, il n'a pas pu se relever. Place maintenant au pointage des joueurs. Voilà pour le dénouement de ce combat. Il nous reste à vous remercier, Jean-Claude et moi, et à vous donner rendez-vous très bientôt pour une nouvelle très grande soirée de boxe. Amis amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Reste pas planté là. Il le surprend encore avec la droite. Ça laisse des traces.
out for self. In a world that's consumed by greed and wealth, it's a dog eat dog, and we cannibals for capital. The will to survive in the animal is natural, but the desire to rule in the pursuit of pure power is the path of the fool. We chase. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, Jean-Claude et moi-même, pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts, Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. Introducing first, by way of Brooklyn, Iron Mike Tyson. And his opponent across the ring, hailing out of Philadelphia, Andre Vischer. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. On frappe en bas avec la droite. Oh, terrible droite de Tyson. La droite qui n'arrive pas. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. La gauche, belle riposte. Deux fois là. Droite puissante et ça passe. Abattant, enlève-toi. Deux. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude ? Il va falloir tenir maintenant. Il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée de coups. Le cut de Mike Tyson. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Oui, il continue de toucher au corps. Belle fluidité sur ses deux coups. Il l'a stoppé, tant mieux pour lui. Non, il ne touche pas. Il revient avec une gauche qui touche. Boum, et la gauche en plein visage. Oh, la ligue, la ligue. Respire. La gauche d'Iron Mike, bien appuyée. La tentative infructueuse, là, au visage. Eh bien, Jean-Claude, ce combat a démarré à 100 à l'heure, 100 rounds d'observation. Si, si, on s'observe, mais à coup de poing, ça promet. J'espère que ce n'est pas une mise en bouche. Moi, je veux déjà passer au dessert. Tyson, trouve l'ouverture, belle uppercut. On va enchaîner tout ça. Fin du round, Jean-Claude. On n'a pas vu passer ces 3 minutes. Un tel spectacle, on en redemande. Nous, oui, mais les entraîneurs, à mon avis, beaucoup moins. Eux, ils préféraient que le boxeur d'en face soit un peu moins agressif. Par contre, pour le public, il faut le dire, c'est super. Ah ouais, on se régale. Gros uppercut, là. Un coup qui n'arrive pas. Reste pas statique. Oui, il va marquer, lui aussi, avec cette gauche. Sa droite qui passe encore, là. Encore, la gauche, ça touche. Touché, et le voilà, qui remise. Il marque des points, là, au corps. Il rate le coche. Oui, il enchaîne bien. Coupe plus le souffle. Iron Mike avec tout son poids, il est déchaîné. Les coups à la tête. Oui, il a touché avec les deux. La droite qui arrive en haut. Une, deux, timing parfait. Son adversaire est dépité, le coup au corps n'a pas fait mouche. Nouveau coup en haut. Oh, il remise avec cette gauche. Il remonte ta garde, mon grand.
André Bishop. Allez, il est debout après avoir été knocked down. Oui, superbe, l'énorme gauche d'André Bishop. Et l'enchaînement qui arrive. Tout son poids dans cette uppercut. Le crochet des de Bishop. Il est touché, mais il continue à attaquer Jean-Claude. Oui, c'est une très mauvaise idée. Ses coups ne sont pas efficaces. Tout ce qu'il va réussir à faire, c'est créer des ouvertures pour son adversaire. Fin du round. Et un round qui peut faire basculer le combat. Ouais, c'est sûr qu'on voyait son adversaire à terre, c'est bon pour la confiance. Mais ça peut aussi se retourner contre vous. Ah bon ? Vous savez le danger quand on a fait mal à son adversaire. C'est de se focaliser uniquement là-dessus. J'ai vu des boxeurs perdre complètement le fil de leur combat à cause de ça. Superbe crochet en haut. Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Il se resserre au corps et le touche avec cette droite. Il planche le compte très très vite. On voit déjà du lourd Jean-Claude. Pas sûr que le combat aille à son terme. Ouais, je ne sais pas s'il veut aller en boîte. C'est touché tôt, mais il a visiblement pas envie de s'éterniser sur le ring. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. Il a pu enchaîner après son jab. Bien joué. Une droite plongeante qui va faire des dégâts. Une nouvelle gauche. Et le jab. Et il enchaîne derrière. L'enchaînement qui arrive au visage. Superbe combinaison. Crochet gauche et droite dans la foulée, c'est bien. Combinaison qui arrive au corps. Il touche avec son direct du droit. Une gauche bien ajustée en haut. Il a été touché, mais il touche à son. Et le crochet qui arrive. Il envoie une rafale de coups au corps. Le jab et le direct qui arrivent. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Il multiplie les coups, c'est fort. Jab et direct, le béaba de la boxe. Voilà, le round qui se termine. Il laisse trop d'espace, là. Allez, sois plus compact. Là. C'est bien de bouger les jambes, mais pense aussi à bouger le haut du corps. Très agressif, qui donne beaucoup de coups, mais qui se découvre aussi assez dangereusement. Ouais, et c'est assez incompréhensible qu'il ne sait pas plus de le prendre en compte. Il y a plein d'opportunités, c'est presque criminel de ne pas en tirer profit. Et une terrible gauche d'André Bishop. Il a touché deux fois. Il va falloir qu'il soigne la précision. Relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. Et le jab. Il cherche à travailler en haut sans succès. Nous arrivons
Bravo, exactement à la moitié du round. Bien défendu, derrière il place un énorme uppercut. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Jab et direct, bien enchaîné. Et un, et deux, c'est bon. Le jab est précis, le direct puissant. Allez, c'est bien. Les deux qui passent. Enchaînement, il touche en bas. Il qui tube, là, ça sent la fin. Le coup au visage, bien bloqué. Oh, il lui en a fallu du courage pour se relever, mais vu son état, était-ce bien nécessaire? Il ne sait plus où il est. L'arbitre a arrêté ce combat pour lui éviter de retourner au tapis. Fin du round et la tension est montée d'un cran avec un boxeur à terre. Son entraîneur va devoir trouver les mots justes. Ouais, mais d'abord, il faut lui donner un bon coup d'éponge hein, pour retrouver ses esprits. S'il n'est pas lucide, ça ne sert à rien de lui donner des conseils. C'est simple, mais ça marche. Et direct. Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. Et belle riposte là. Le coup au visage n'arrive pas. Nouveau coup en haut, qui passe. Les droites qui pleuvent et qui font mal. Travail à distance avec le jab. Attrape-le. Et dans les flancs. Et un battant, relève-toi. Deux. Trois. Quatre. Derrière. Cinq. Relève-toi. Six. Sept. Huit. Allez, debout. Il tient à peine debout. Il semble bien fatigué, Jean-Claude. Ah oui, il s'est relevé presque par miracle. Mais je crois que le prochain coup sera le dernier. À moins que l'arbitre ne vienne à son secours avant. Sa défense haute gêne son adversaire qui vise la tête. Respire. Oh, quelle droite. Respire, accroche-toi. Très bonne défense sur ce coup qui aurait pu faire mal. Et pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Et André Bishop, il bloque. Qui se termine sur cette victoire par KO. On se retrouve tout de suite pour la décision. Le combat est terminé, les boxeurs quittent le ring. Il est temps de vous remercier. C'était Jean-Claude Boutier et Christian Elcourt. Merci de votre fidélité. Au revoir. A handout, but nobody give a fuck out here in these streets. Every man is for himself, they ain't helping no one else. It's a hazard to your health living life in these cold streets. Hey, who's worrying about you, babe, when you wildin' out, running around in these streets?
living with the police right behind you. It's always more than a slight reminder. We living in a war zone like a one. Bienvenue pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe. Ici Christian Delcourt, en compagnie, comme toujours, de... Monsieur Jean-Claude Boutier. An evening of boxing. N'hésite pas à enchaîner. La droite plongeante qui arrive, et il revient avec la droite qui touche aussi. Il marque un point avec ce direct du droit. Voilà, bonne protection. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Encore une droite qui fait mal. Et superbe, l'énorme gauche d'André Bishop. Les coups pleuvent actuellement, un enchaînement qui a fait mal. C'est sûr, il a marqué des points sur cet enchaînement. Il a aussi marqué son adversaire. Et il a fini par se relever après être allé au tapis. Un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation. Vous avez bien connu ça, vous. Eh bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance des coups de son adversaire. Et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Un, deux, trois. Voilà, il est debout et il va devoir maintenant se remettre en question pour repartir à l'affrontement. Ah mais il faut déjà qu'il tienne jusqu'à la fin du round, hein. Et ne pas commettre une nouvelle fois la même erreur. Et le bras droit par-dessus, parfait timing. Ici, ce choix là. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Allez, relève-toi, mon gars. Deux. Le revoilà sur ses appuis après un passage à terre. Ouais, mais maintenant, il faut à tout prix qu'il gagne du temps. Qu'il n'hésite pas à s'accrocher. Oui, il enchaîne, jab et direct. Il est touché, il réplique. Le percut, qui manque de précision. Oui, il touche plusieurs fois en haut. Il s'est fait surprendre, il s'est relevé et maintenant, il en faut du courage pour continuer après tout ça, Jean-Claude. Maintenant, c'est dans ces conditions qu'on va voir ses ressources physiques et surtout mentales. Il n'a touché au corps. Tu crois que tu ne te relâches pas. Aïe, 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 une belle droite, très propre. Que de puissant de Bishop, c'est superbe ça. Belle fluidité sur ses deux coups. Le corps à corps, il en avait bien besoin. Il est vraiment carbo là, non? Il a besoin de récupérer, de retrouver son souffle en effet. Oui, il enchaîne bien. C'est à côté, il a trouvé l'ouverture pour placer le crochet. Il cherche le foie avec ses coups au corps. Rahim qui chancelle, incroyable, c'est une vraie surprise dans ce combat. Pourra-t-il tenir désormais? C'est bien un peu trop facile et a offert une ouverture à son adversaire. Il s'est bien évidemment vengé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Est-ce qu'il a raison là de reprendre le combat, Jean-Claude? Vous savez... Là, je crois que c'est plus la fierté qui le fait continuer, mais il ferait peut-être mieux de s'arrêter là. Il lève bien les mains pour éviter les coups en haut. Oui, les deux jabs, précis. Beau travail de Sap avec cette droite. Enchaîne trop là, on s'agarre. Bien bloqué, il poursuit le travail au corps. Il touche en haut d'une gauche, bien senti. Oui, il a touché avec les deux. Droite de puncher. Il frappe sur... Il est sonné et ça sent le chaos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, l'arbitre a compté jusqu'à 10. Cette fois, c'est fini. Pour lui, il est KO. Ouais, rien à dire, son adversaire a été précis. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la décision. On a eu droit à du beau spectacle, n'est-ce pas, Jean-Claude? Allez, bonne soirée à tous et merci de nous avoir accompagnés ce soir. With a lump sum in pocket. This is that not shit. This is that black still in the game without an accomplice. On a conquest with comments that cause conflict. Ooh, yeah. To hate what you can't debate when the truth's there. And the truth is the black's the truth, yeah. And why the proof's there, just calling the new tear. That has everyone talking. It got me on their brain like a new ear. Round of applause for the team when they're feeling on top. This is what you. Amis amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Into the team first, hailing out of Philadelphia, André Bishop. His adversary, by way of Brooklyn, Iron Mike. Je suis là pour veiller sur votre sécurité et je compte sur vous pour me faciliter la tâche. Pas de coups, pas de coups de tête, c'est bien compris. Alors on y va. Et il enchaîne. Le crochet en haut, ça touche. 1-2, 1-2, continue bas. De travailler. Remise, c'est bien. Oh, il frappe autant qu'il peut, on ne l'arrête plus. Boum, le gros uppercut de Bishop, il est arrivé. Jab, droite. Il touche encore en bas. Les boxeurs qui se rendent coup pour coup. Encore une fois en haut et ça passe. La gauche en haut, ça passe. On dirait qu'il concentre ses coups sur le corps de son adversaire en ce début de combat. Ouais, c'est plutôt bien vu. Et il en sera certainement récompensé dans les rounds suivants. Et il vise la tête avec sa gauche. Il réplique, il est là, il est bien là. Gauche bien vissée de Tyson. Et passer le round d'observation. Les présentations ont été vite faites. Incroyable de tels échanges de début du combat. C'est Noël avant l'heure. Et surtout que Noël arrivera derrière. J'ai hâte d'y être. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude? Ouais, tenir, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir encore à corps et gagner du temps. Et l'enchaînement qui arrive. Sur les droites, même face. Il a passé cet enchaînement au corps. Le charme, il est touché et il réplique avec la droite. Enchaînement terrible. Allez,
Allez, relève-toi. Il a l'air bien décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat, sans prendre de risques inutiles. Belle réponse avec cette droite. Et pas, et qui rattaque. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Ok, mais il réplique avec une belle droite. Pas assez précis. Bel enchaînement au niveau du buste. Vicente, la touche du gauche de Tyson. Superbe combinaison. Ouh, il a bien fait de la bloquer. Belle combinaison. Iron Mike fait parler la poudre avec cette gauche. La remise qui touche. Attaque avec la gauche, au foie. Son adversaire est en train de baisser de pied, c'est bien, il enchaîne les coups pour le faire plier. Ouais, son travail de sape a fini par payer. En face, on est moins mobile et les coups arrivent plus facilement. Quatre coups, belle série. Et voilà, on le sentait venir. Le combat se termine sur cette victoire par KO. Victoire tout à fait logique, Christian. Un superbe KO. Merci Jean-Claude. Allez, place à la décision dans quelques secondes. Déjà vu. Everyone looking at me, trying to work out if I've been telling the truth. The courtroom's the same, the jury's changed, and the judge is she, not he, still they all look the same to me. Yeah, it's just like it was when I was here before. Except my ex ain't here in the gallery showing me support, and that breaks my heart, 'cause I love when I die. Be like, no song. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre, Jean-Claude et moi-même, pour ce combat qui va commencer. Vous êtes prêts, Jean-Claude ? Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est pas mal. Bel enchaînement, deux coups à la suite. On note au premier coup d'œil que l'un des boxeurs dispose d'un net avantage au niveau de la longe. Comment échapper à ses longs bras ? Eh bien, il y a deux écoles. La première qui dit qu'il faut aller au charbon et casser au maximum la distance pour atteindre l'adversaire. Et la deuxième, donc ? La deuxième consiste à laisser venir son adversaire pour ensuite le contrer. C'est généralement pas l'idéal. Le jab en premier et le direct qui suit. Quel uppercut, Jean-Claude ! Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti ! Il a touché deux fois. Belle droite de Mohamed Ali. Ça part en bas, c'est pas mal. Superbe, quelle combinaison. Monte un peu tes mains. Non, ça n'arrive pas. Énorme crochet, pleine face. Oh, manque de précision là-dessus. La jambe, Jean-Claude, à votre époque, oh, même si c'était hier, un combat démarrait toujours par ce fameux round d'observation. Mais ce soir, nous sommes rentrés immédiatement dans le vif du sujet. Les temps changent, heureusement. Vous n'avez pas l'air surpris. Moi, je suis pour le changement. Et si on peut assister à un tel spectacle... Alors, on y va. Oui, l'une, deux. Et un, et deux, c'est bon. Le coup qui n'arrive pas. Oui, il continue de toucher au corps. Mise, la gauche, bien placée. Allez, on se désaxe, on est mobile.
Et voilà la fin d'un round palpitant, très élevé au niveau de l'intensité physique. Ça oui, on peut dire qu'ils en vont sous le capot. Ça s'use de part et d'autre, les deux qui passent. Presque la droite de Bishop, ça fait mal. Et on se rend coup pour coup là. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Et une terrible gauche d'André Bishop. Le dos rond et il compte. C'est incroyable. Les quatre coups sont arrivés. Allez, deux fois là. Raté cette tentative. On se rend coup pour coup. Mais quel échange! Pas mal fait ça, crochet gauche en bas, puis droite au visage. Sur le tour, reste mobile. Enchaîner tout ça. Voilà, il s'appuie sur son jab. Il conserve une garde haute pour se protéger le visage. Voilà, on arrive à la moitié du deuxième round. Belle fluidité sur ces deux coups. Et aussi. Ça, une remise intelligemment, une combinaison qui arrive. C'est pas mal ça, le direct suivi du crochet gauche. Et voilà, les boxeurs rentrent dans la dernière minute de ce round. Et comment dire, on ne s'est pas ennuyé, Jean-Claude. Oh que non, et les femmes non plus d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini. Oui, il enchaîne bien. Donc, c'est répond par une bonne gauche. Zone qui place un jab précis. Il faut se protéger le visage là. Oui, il a touché avec les deux. Encore un coup au visage paré. 10 secondes. On en termine avec la deuxième reprise. Ali n'a pas ménagé son adversaire dans ce dernier round. Il a clairement pris le dessus. Oui, Ali n'est pas forcément synonyme de cogneur. Pourtant, il sait boxer en force quand le besoin s'en fait sentir. Belle accélération avec la gauche. Allez, il envoie une rafale de coups au corps. Et l'enchaînement qui arrive. Magnifique gauche du grand Ali. Il enchaîne, vite. Bon, sans succès. Et ça arrive, en haut, avec sa droite. Oh, il en aligne, trois d'affilée. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Oui, c'est bloqué. Oui, superbe, l'énorme gauche d'André Bishop. Gauche senti en haut. Et travailler à l'entraînement, un enchaînement pareil. Tentative de coup, oh, ça manque de précision tout ça. Une, deux, qui va bien. Un, deux, trois. Bien, il a réussi à revenir dans le combat malgré ce knockdown. Et maintenant, que doit-il faire? Bah, il doit résister aux assauts de son adversaire jusqu'à la fin du round. Ce sera difficile, mais en évitant le contact et en gagnant du temps, il devrait pouvoir le faire. On ne l'arrête plus, la droite qui arrive encore. Il cherche la tête, mais c'est raté. Bien joué, l'enchaînement efficace. La remise, la gauche qui touche. Ouais, le jab. Encore 10 secondes dans cette troisième reprise. Bonne défense, le coup n'est pas arrivé. Voilà, fin de la troisième reprise. Le quatrième round débute et les deux boxeurs sont toujours aussi proches l'un de l'autre au niveau du pointage. Oui, enfin, il y en a un qui a mis un genou à terre.
quand même, ce n'est pas anodin. Jean-Claude, je vous l'accorde, il a sans doute un petit retard alors à combler dans l'esprit des juges. Superbe combinaison. Oh, ça passe à côté. Oh, trois coups. Allez, c'est bien. Pleine face, la gauche, bon timing. Son adversaire s'expose tout de même beaucoup. C'est presque dommage qu'il ne profite pas plus de toutes ses opportunités de contre. Ouais, il faut vraiment qu'il se montre plus vicieux. Il y a pas mal de possibilités en contre. Ça se découvre pas mal en face. Attention, c'est proche. Enchaînement, il touche en bas. Avec du droit, c'est précis. Ali place une droite très lourde. Une pluie de coups. Une brasse de l'air là. C'est que de puissant de Bichot. Et qui tube là, ça sent la fin. Bienvenue pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe. Ici Christian Delcourt, en compagnie comme toujours de... Monsieur Jean-Claude Boutier. Bon, il se protège bien le visage. Alors, Frazier n'est pas du genre à faire dans la dentelle. À quoi faut-il s'attendre ce soir? Sûrement pas de la couture. Frazier boxe avec beaucoup de détermination. Et je ne pense pas que ce soir il fasse exception. Allez, l'enchaînement de Bischoff. Boum, c'est parti. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Respire. Il utilise bien le jab, là, avec deux coups à la suite. Allez, éclairez-nous, Jean-Claude, face à un puncher. Quelle est la meilleure tactique pour un spécialiste du corps à... Eh bien, avant tout, il doit à tout prix se rapprocher. Mais ça ne peut pas dire... C'est normal qu'il l'avertisse, les coups de tête ne sont pas tolérés. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Belle garde de Frazier. Une bonne droite qui marque et qui fait mal. La droite au corps. Ouh, énorme crochet à la tête. Il l'a touché au corps. Oui, André Bischoff, il a été sonné, secoué même, mais il a déjà récupéré. Eh bien, on pensait que le combat touchait à sa fin, mais il n'a pas encore abdiqué. Oui, il encaisse bien. Et surtout, il récupère rapidement. Il veut le travailler au corps, mais il ne touche pas. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Il cherche le choix avec ses coups au corps bloqué. Bel enchaînement, crochet gauche, suivi d'une droite. Et Frazier qui continue, tout en puissance. On le voit beaucoup travailler au corps lors de cette entame de match, Jean-Claude, plutôt surprenant, non? Je crois qu'il veut surtout user son adversaire. Ce n'est pas spectaculaire, mais à la longue, ça finit
souvent par Tony. En plus, ça peut obliger l'autre boxeur à baisser sa garde pour mieux se protéger les coups. Et là, boum, il pourra en profiter pour l'atteindre au visage. Les deux boxeurs qui donnent leur droite et qui touchent. Soigne un peu ta garde. Jab et direct, un grand classique. Et deux fois. Un enchaînement qui fait mal. Mais il touche à son tour. Une terrible gauche d'André Bischoff. Bien vu le direct du droit. Et un, et deux, c'est bon. Oui, ça c'est de la boxe. Belle remise. Le jab et le direct du gauche qui suit. Et la droite qui fait mouche. Et André Bischoff, il touche d'un crochet, une rare puissance. Allez, t'as pas mal, on est quoi ? 2, 3, 4, allez, 5, relève-toi, mon Dieu, 6, 7, 8, allez, relève-toi, 9. Oh, le voyage au tapis pour Joe Frazier. Et il se relève, mais il va falloir qu'il gagne un peu de temps en s'accrochant à son adversaire pour l'empêcher de multiplier les coups. Raté ce coup, il part ce coup à la ceinture. Terrible droite de Frazier. Les coups en haut. Travaille-le au corps. Bonne garde, le visage est à l'abri. Bel enchaînement des deux côtés, ouais, chacun a touché. Oui. Droite qui fait mal en haut. Un direct de droit dans le vide. Oui, bien bloqué de Bischoff. Simple et efficace, 1-2. Il touche en haut avec sa droite. Il travaille bien avec son bras gauche. Il en coups, mais il en donne aussi. Et André Bischoff, il bloque. Enchaîne, 1-2, 1-2. Coup au corps avec la droite. Voilà, c'est la fin du round. Et on peut dire qu'on assiste à un beau, très beau spectacle. Ouais, ça fait plaisir de voir deux boxeurs aussi offensifs. Un combat aussi engagé. Il y a d'abord sur lui, il agresse. Il va bien te protéger. Allez, tu prends la température avec ton cap, et derrière tu tasses ton direct. C'est dans tes cordes, ça. N'atteigne pas l'adversaire. Superbe séquence et ils se rendent coup pour coup. Ouh, le percut. Droite qui arrive de part et d'autre. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Oh, la droite de Bischoff, ça fait mal. Oh, c'est bloqué. Les deux qui passent. Une droite qui passe par-dessus. La tentative infructueuse là au visage. Il a préparé son direct avec le jab. Un échange de droite et de la boxe comme on l'aime. Il prépare quelques cheveux. Oui, les deux coups. Respire. Il cherche à placer son direct du droit. Deux fois là. Bon blocage. Encore, encore et toujours. Belle fluidité sur ces deux coups.
Oui, bien bloqué de Bishop. Il est touché, mais il touche à son tour. Il est touché, il touche, oui, avec cette droite. Touché, et le voilà, qui remise. Oui, Arthur Abraham, l'uppercut, boum. Il poursuit le travail au corps. Ça fait trois fois plus mal. Le 1-2, c'est bien. Superbe enchaînement qui fait mouche. Il l'a touché. Sa garde reste hermétique. On arrive à la fin de ce round. Déjà 3-0 au niveau des rounds gagnés, Jean-Claude. Ce combat est bien lancé. Ah, tout à fait, il est parti sur les chapeaux de roue. Et son adversaire a déjà fini au tapis. Ça pourrait aller vite ce soir. Il frappe surtout en bas. Bonne droite, par-dessus, belle précision. Le bon vieux 1-2, ça marche toujours. Allez, bonhomme, continue. Pas le buste sur ce coup. Frazier à la parade. Ce n'est peut-être pas un contre-orné, mais là, il y a quand même matière à faire de belles choses, non Jean-Claude? Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Son adversaire s'expose énormément et lui se contente d'attendre. Mais contre le bon sens. Il place une belle droite, là, en remise. Direct du droit. Oui, il enchaîne bien. Il n'est pas au mieux, ça se voit, le chaos est proche. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Trois coups avec une précision d'orfèvre. Oui, il a touché avec les deux. Maurice, accroche-le. Attrape-le. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant, il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée des coups. Oui, c'est parfait ça, le percut signé Tonnet. C'est bien bloqué, il touche encore en bas. Il est déchaîné, trois coups à la suite. L'intention y était, mais pas la précision. Il en prend plein la tête. Et bien voilà, le round se termine. Et maintenant, ça va être au coach de jouer son rôle. Est-ce qu'il est difficile de trouver les mots pour remotiver un boxeur qui vient d'aller au tapis? C'est pas facile, c'est sûr. Mais il faut à tout prix lui redonner confiance. Et surtout, surtout, il faut lui expliquer comment mieux se protéger. Il est touché, mais il touche à son tour. Et l'enchaînement qui arrive. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Et il place une nouvelle droite. Regardez, il remise avec un bel uppercut. Superbe, la gauche de Frazier. Il touche là, au-dessus de la ceinture. Superbe combinaison. Oui, encore une belle combinaison. Il est pas mal, là, Jean-Claude. Oui, il touche encore là. Son adversaire est en train de craquer. Quel combat, Jean-Claude. Quel combat. C'est de là se rendre coup pour coup, sans jamais baisser d'intensité. La boxe est un sport où il faut être généreux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soir, personne ne regarde à la dépense. Bel enchaînement, deux coups à la suite. Cet enchaînement au corps. La
droite qui le touche de plein fouet dans les côtes. Se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation. Qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée du sweeper. Face à l'attaque. Allez, du percut de Geoffrazier. Il a touché deux fois. Il expédie une droite surpuissante. Et boum, encore une droite. Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Et un, et deux, c'est bon. Droite, là. C'est la fin du round. Une reprise au cours de laquelle l'un des deux boxeurs est allé à terre. Son entraîneur va devoir le remotiver. Déjà, la première chose à faire, c'est de lui passer le coup d'éponge et de s'assurer qu'il est bien lucide. Ensuite, il faut lui expliquer calmement pourquoi il s'est retrouvé à terre. Histoire qu'il ne fasse pas un autre aller-retour au tapis. Exactement, Christian. C'est terminé, victoire par KO. On se rejoint pour le verdict des officiels. Ladies and gentlemen, by way of knockouts, your winner, Andre Bishop. Le verdict est tombé, on en reste là. Merci à Jean-Claude de nous avoir accompagnés. Merci à vous tous qui nous regardez. Bonne soirée à tous.